Toute ma vie, j'ai écouté cette musique et toute la musique. Mes parents étant disquaires, j'avais pas mal de matériel à ma disposition. Donc j'en ai entendu énormément étant jeune. Quand j'avais 3 ans, il paraît que je connaissais par cœur la vie de tous les compositeurs parce que j'écoutais les disques qu'ils les racontaient aux enfants. Et il paraît que en allant à la cuisine, j'improvisais pour demander quelque chose. Donc j'improvisais une mélodie, quoi. Quand j'ai, ce qui est rare, le temps de sortir quelques minutes, j'en profite pour me rendre compte un petit peu de l'évolution de cette ville, qui est très rapide. Donc en fait, de ce côté-là, on a l'ancienne partie est. Là-bas, plus loin, on voit l'antenne de télé, etc. Et d'ailleurs, on peut encore remarquer quelques grandes grues. Il y en avait beaucoup plus il y a quelques mois. Ça change très vite. Par contre, ce qui est bien, c'est que au niveau urbanisme, jusqu'à présent, ils ont évité qu'il y ait trop de gratte-ciel. Donc pour moi, c'est formidable. J'ai une vue panoramique sur tout ce qui se passe. Le bruit de la rue, après quelques minutes, je commence à le confondre avec la mer. Donc c'est très relaxant. Je sors ici, je prends un bol d'air et je vois cette ville vivre et évoluer, quoi. C'est un endroit merveilleux pour moi. Derrière les grues, c'est la limite qui commençait de l'autre côté du mur, quoi, là où c'était secret et mystérieux. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez voir la fameuse dent creuse, l'église qui avait été détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont gardé plus ou moins dans cet état-là comme symbole de la fin d'une époque. Sets the time and everything. Huh? That's great. You set the time and everything. If you want to go back sooner, we'll follow you. Okay. Just like you did. And can she make it slower and faster? Yeah, she can make it slower and faster too. Oh, great. I like that. Okay? She's the leader. Okay. Yeah? Okay, so let's start with this then. Dans ce département, nous avons une quarantaine d'élèves et 4 professeurs, donc je suis le plus récent, 4e professeur. David Friedman est le co-directeur avec Ziggy Bush, donc David, professeur de vibraphone, Ziggy Bush de contrebasse. Jerry Granelli est le professeur de batterie et moi je suis le professeur de guitare, mais on enseigne tous les élèves. C'est-à-dire que tous les élèves ont cours avec nous dans des ensembles, dans des cours de théorie, de pratiques divers. Ce qui fait que, comme c'est un petit département, c'est une espèce de grande famille où personne n'a l'occasion de se cacher. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit faire un effort et tout le monde le fait. Ont une production assez impressionnante, je veux dire. La plupart, avant de quitter l'école, ont déjà leurs disques, leurs CD,
participent à des stages de niveau international. Professeur de musique, ce qu'il faut, c'est parvenir à ce que l'élève libère ses émotions, soit vraiment honnête avec lui-même et avec les gens avec qui il joue au moment où il est sur scène. So in your intro, I would like you to do something more melodic. Mm-hmm. So now you were doing like a chord étude, mm-hmm. which is very nice, you know. But if you could improvise a melody that would somehow tell me that this is the tune that you're going to play, mm-hmm. instead of just playing in B flat major. Okay. You see what so I mean? Not the usually the normal B flat. No. Just do something that could be an improvisation on a part of the tune, mm-hmm. or just something that would tell me, okay, now we are going to play Windows by Chick Corea. Okay? Mm-hmm. I would like you to suggest that mm-hmm. to me from your playing. Okay. Comment apprend-on à exprimer ses émotions? C'est très délicat. Les Allemands, en général, ont la réputation de ne pas pouvoir exprimer leurs émotions très facilement. Je crois qu'au plus on remonte au nord de l'Europe, au plus c'est comme ça. J'ai vécu ça en Finlande, où c'était vulgaire d'exprimer ses émotions. Donc, ça a beaucoup à voir avec la civilisation et la façon dont on voit les choses. Grande part de notre boulot ici, d'essayer de les ouvrir et de vraiment leur permettre de s'exprimer totalement, quoi. De temps en temps, je dis à un de mes élèves, fâche-toi, sois vraiment très fâché maintenant, parce que je t'embête là. Fâche-toi sur moi, parce qu'il faut que tu exprimes quelque chose. Ce sont des gens qui se retiennent trop. Et après un an, après deux ans de cours ici, en général, ils s'ouvrent, ils sont sur scène et ils s'ouvrent complètement. Je me promène dans la ville, je vois les gens se balader, discuter, je vois les enfants jouer dans les parcs et ça a une certaine force, une force. Qui m'influence, qui m'inspire quand j'écris de la musique, je pense à ce que j'ai vu. Je crois que on est au moment où tout le monde est influencé par les images et on retient des images, mais on retient aussi des sons qui font que quand on rentre à la maison et on essaye de résumer ça sur sa guitare, ça va influencer la musique, certainement. Mon dernier album s'appelle All Around Town. Donc, All Around Town est un album photo de New York, de la ville de New York en général. Donc, le Bronx, Manhattan, etc. Le village. J'ai composé certains des morceaux et j'ai aussi réarrangé certaines compositions de grand maître du jazz moderne, et j'ai enregistré avec des merveilleux musiciens Adam Nussbaum, Mike Richmond et fabuleux saxophoniste Lee Konitz.
qui nous a fait le plaisir d'être là pour trois morceaux comme invité. La première fois que je suis allé à New York, j'étais en vacances et j'ai été reçu d'une façon très généreuse par des musiciens belges qui vivaient là à ce moment-là, qui prenaient des cours là-bas avec des musiciens américains. C'était Pierre Vaiana et Chris Defort qui partageaient une maison dans le Queens, qui est une des parties de New York. Et dans cette maison, il se passait des tas de choses formidables, des jam sessions, etc. Et à l'époque où j'y étais, pendant 2-3 semaines, pas mal de musiciens belges se trouvaient à New York, comme par hasard. C'était un bon moment. Et Pierre a décidé d'organiser une Belgian party. Donc on a fait une belle après-midi tous ensemble. Et Chris Defort était le pianiste qui accompagnait les cours de Judy à l'université de jazz de New York. Et donc Judy a été invitée à venir faire la jam avec nous. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait de la musique ensemble. Also very exciting because of the changes and the history. It has a dark history, of course, and a long history, which is fascinating and sometimes disturbing, but now it's in a new phase and it's changing again, and it's really great to be in the middle of that change. Berlin est un petit peu devenu le New York européen, non seulement à cause du côté cosmopolite de la ville, mais surtout à cause du côté artistique, quoi. Au niveau artistique, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. Plein d'artistes du monde entier viennent vivre ici maintenant. Coincidentally enough, I'm living in an area that was previously the Jewish area of Berlin. There were two. There's Charlottenburg, which is where all of us live actually now, and then that's where the Ashkenazi Jews lived. And the Sephardic Jews lived in the east, in, near the Oranienburgstrasse, which is where you're going to go probably tomorrow, where the temple is. So it turned out that I'm living in a very Jewish street. There's a falafel store at the end of the street. The synagogue is about two blocks away. Two Orthodox rabbis pass my house every day and never say hello. But I always say shalom, shalom. Gendarmenmarkt, and it's one of the most beautiful squares in the city for me. And right in back is the Schauspielhaus, which is the big playhouse or theater in the east. This was the former east. And you can see many great shows. We saw Al Jarreau singing right out here during the summertime in a big open concert. And he was just in back of Schiller there. Here's the statue of Schiller that was taken away during the 1930s by the Nazis and then brought back in the 80s, late 1980s. The school where I give my lessons has their classic building just on the other side of the square. Must fall, the sweet
keep going? Things in life. Whoops, we lost it. Okay, we'll do it again and continue. Dans Berlin aujourd'hui, on pourrait penser qu'il y a une volonté d'amnésie parce qu'ils construisent énormément de nouveaux bâtiments, de nouvelles rues, de nouveaux quartiers qui font qu'on ne se rappelle plus très bien où était le mur. On ne voit plus du tout la différence entre l'ancien quartier Est et l'ancien quartier Ouest. Quand on se balade dans les rues, ça devient dur de s'imaginer ce qui se passait il y a seulement 10 ans. Charlie, aujourd'hui, c'est un petit peu. Ça paraît dérisoire. On voit ce petit morceau de guérite dont il ne reste pas grand-chose. Je pense qu'ils vont le remettre en état, j'espère. Parce qu'il y a 10 ans, ça représentait énormément d'espoir pour les gens. Ils espéraient pouvoir passer ce point et être enfin libres, quoi. D'autres monuments qui nous rappellent le passé sont évidemment le Trepp Tower Park, qui est un monument en remerciement aux libérateurs russes, qui est immense et qui aujourd'hui paraît un petit peu à la limite comique. On peut remarquer une espèce de mysticisme communiste et dictatorial. Les images sont très fortes, les sculptures en disent long, et je pense que c'était quelque chose qui était fait pour effrayer les gens, pas vraiment pour les rassurer, quoi. Et on a quelqu'un ici, Dagmar, qui est une élève de Judy, qui était en Allemagne de l'Est à l'époque et qui a dû venir défiler ici. I was about 10 or 11 or 12, and we had to come here with our class from school because of the system. We had to come and we had to be here in our uniform, mm-hmm. And somebody had made a speech, and we had to swear our. He said, "Seid bereit," and we said, "Immer bereit." We don't had jazz that much, mm-hmm. in the GDR. And I know people in my age, they know since they're 16 or 15,
they know so much about jazz, and I couldn't hear it. Mm-hmm. It was forbidden. Yeah, right. I heard some. My dad had some records of Frank Sinatra. That was it. Mm-hmm. But they know much more about Ella and Billy and. So. Uh-huh. That's a big difference. Yeah. Because I had to learn it now. Right. Later, and I have to be faster than the other ones. She went to buy some bread, a bone, a wing, a hat, a jacket, and a coffin. The dog was laughing, laughing at the kitty with a fiddle. What a riddle, deal, deal. See the cow jumping over the moon. Tisket a tasket, I lost my yellow basket. Over by grandmother's she picked house. It up and put it right in her pocket. I'm happy that I had it like it was. I don't want to go back, but I think it's great to have this experience. One, two, three, four. Au moment où j'ai commencé à jouer de la guitare, j'étais à l'Athénée, j'étais en fin d'études secondaires et je pensais pas pouvoir devenir musicien professionnel, je pensais pas que ce soit possible parce que j'ai commencé très tard. Donc j'ai pensé que si je pouvais étudier pour être ingénieur du son, ça me permettrait de rester dans le milieu de la musique. Et j'ai réussi les examens d'entrée de l'INSAS et c'était très intéressant, c'était des études formidables. Mais en même temps, pendant que j'étudiais à l'INSAS, j'ai commencé à enregistrer et faire des concerts. À cette époque-là, ils ont ouvert une section jazz au Conservatoire de Bruxelles. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Donc naturellement, je suis allé au conservatoire et j'ai étudié là. Et je me suis fait de plus en plus de contacts, j'ai enregistré, j'ai fait des concerts. Et ça s'est passé comme ça. Il y avait pas mal de clubs à Bruxelles. Malheureusement, le contexte économique et le fait qu'il n'y a toujours pas de statut pour les artistes en Belgique, ce qui est un scandale, disons-le bien, fait que de plus en plus de clubs ont fermé. Et la plupart des clubs qui existent aujourd'hui sont tenus par des gens courageux qui essayent encore de faire quelque chose pour la musique et pour les gens qui la créent. Malheureusement, dans la plupart de ces endroits, les gens doivent jouer aux entrées. Donc, ça n'aide pas à payer son loyer, quoi. Il y a énormément de clubs à Berlin. Ils ont tous leur personnalité, c'est-à-dire que certains clubs seront plus ouverts à certains styles de jazz. Mais ce qui est formidable en général à Berlin, c'est que les gens sont ouverts à une certaine créativité, c'est-à-dire qu'on peut faire des expériences et les gens le respectent. On n'est pas obligé d'essayer de recréer ce que les gens faisaient il y a 30, 40 ou 50 ans. Très intéressés par l'histoire, ils se rendent compte que ce qu'ils font aujourd'hui découle directement de ça. Et je pense que c'est comme la musique classique, quoi. Je veux dire, il n'y aurait pas pu y avoir Mozart s'il n'y avait pas eu Bach, et il n'y aurait pas eu Schoenberg, etc. Great lyrics, huh? So what did you think of this? Quand je leur explique ce qui s'est passé pendant les années 40, on est obligé de passer par la guerre et de passer par le fait que cette musique était interdite ici, qu'elle était interdite dans tous les territoires occupés par les Allemands et que c'était la musique de la liberté, que c'était un symbole incroyable.
Et c'était... Je crois que ça, c'est une preuve que l'art est extrêmement important pour les gens, beaucoup plus que quelque chose d'accessoire. C'est que cette musique était interdite par un régime totalitaire. Donc ça veut dire que c'est très fort, la musique. Et c'était tellement fort qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas l'interdire, cette musique, que les gens en avaient besoin. Ils ont commencé à faire de la musique de propagande avec le jazz. Ils ont utilisé des mélodies de jazz sur lesquelles ils ont mis des textes de propagande en allemand et en italien pour leurs troupes. Nous sommes à la porte de Brandebourg, qui a été un symbole de l'Allemagne à des tas d'époques différentes. Et plus récemment, c'était le symbole de la réunification de l'Allemagne, puisqu'elle était en plein milieu du no man's land ici. Donc personne, ni du côté est, ni du côté ouest, pouvait vraiment l'approcher. Et au moment de la réunification, le grand luxe, c'était de pouvoir passer en dessous de la porte de Brandebourg. Voilà. Et on a plein de chantiers qui nous entourent. On est en train de remplir les hectares où personne ne pouvait pénétrer avant, de nouveaux bâtiments, de grandes sociétés, de bureaux. C'est énorme. Tout pour moi, le jazz, c'est la musique de la communication. Et c'est la musique de la démocratie. C'est-à-dire que tout le monde sur scène a son mot à dire et on partage quelque chose. On n'est pas là pour être juste le soliste devant un trio qui nous accompagne. On a vraiment envie de partager quelque chose avec les gens qui sont sur scène et avec le public, bien sûr. Mais avant tout, c'est une œuvre de création commune, quoi. Je ne m'imagine pas créer quelque chose sur scène si les gens avec qui je joue ne sont pas totalement impliqués au moment de la création, quoi. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient à l'écoute, et moi aussi, il faut que je prenne tout ce qu'ils m'offrent et que j'ai quelque chose à leur offrir en retour, quoi. Mais il y a aussi, bien sûr, l'importance du regard. Juste en regardant le batteur ou le bassiste, je leur fais savoir que je vais à la partie suivante, quoi. J'essaie que ce soit d'une façon vraiment naturelle et tout à fait sans convention et très confortable. Je pense que dans notre monde actuel, il faut pouvoir se protéger de toute la folie qui nous entoure. Mais une fois qu'on est sur scène, une fois qu'on s'exprime, qu'on exprime son art, il faut être complètement ouvert. Et je crois que c'est là qu'il y a une véritable schizophrénie, c'est qu'il faut vraiment pouvoir faire les deux d'une minute à l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où on monte sur scène, on est quelqu'un d'autre. On est l'artiste pur. Et dès qu'on rentre dans le monde réel, il faut se protéger. Thank you.
Mm-hmm.